Est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots hein? Donc moi c'est Florian, je suis chef caravane Saint-Michel, c'est mon 7e Tour de France. Alors chef caravane ça consiste en quoi? En fait ça consiste à coordonner un peu toute l'équipe avec toutes les tâches qu'il y a à faire, etc. Et de leur donner l'ensemble des informations que nous on peut centraliser de l'organisateur, de Saint-Michel lui-même, etc. Voilà, tout simplement. Quelles sont les particularités justement de la caravane publicitaire? Alors la caravane publicitaire, donc c'est 33 véhicules, c'est plus de 500 personnes. En ce qui concerne Saint-Michel, la particularité ben, c'est 7 véhicules, dont le char que vous pouvez voir derrière nous. Donc c'est 7 véhicules, plus de 3 millions de madeleines et de galettes pendant 3 semaines. On est la caravane la plus gourmande du Tour de France et c'est également plus de 30 personnes sur la caravane Saint-Michel, donc c'est vraiment un gros dispositif. Journée type d'un caravanier, c'est quoi? Ben, c'est un départ très tôt, généralement, à part aujourd'hui, c'est un peu une exception, parce que les coureurs partent tard, donc nous, forcément, on part un peu tard, on part à 2 heures d'intervalle avec les cyclistes. Voilà, c'est un départ tôt, c'est une arrivée sur parking technique, où là, on fait, nous, notre réapprovisionnement, donc 3 millions au total sur tout le tour, de galettes et de madeleines. Après, une fois qu'on a fini sur parking technique, avec le lavage des véhicules, etc., on va sur parking caravane, là où on est à l'heure actuelle. Et sur parking caravane, en fait, on trouve toutes les caravanes pour ensuite partir en cortège sur l'étape. C'est quand même très prisé du public, ça, la caravane. Ouais, c'est en termes de chiffres, on n'a pas exactement un chiffre précis. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui viennent pour le tour, aussi pour la caravane. Sans la caravane, le tour ne serait pas le tour. Donc voilà, c'est quelque chose qui est historique, comme le Tour de France en 5e édition. Et la caravane en fait partie intégrante. Et ses propres particularités, c'est voilà, on est là pour donner aussi du bonheur aux gens. Les gens sont là pendant 4 heures au bord des routes. Nous, on est là pour leur donner aussi le sourire durant tout ce mois de juillet. Toi, c'est plusieurs années que tu fais ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette caravane publicitaire? Ouais, 7 ans. Qu'est-ce que je retiens de cette caravane publicitaire? Alors, j'ai tellement de moments en 7 ans. C'est énorme. C'est aussi une aventure humaine qui est hors du commun. Voilà, pendant un mois, on vit tous ensemble. On fait des rencontres de personnes qu'on ne pourrait pas rencontrer dans la vie de tous les jours, des liens d'amitié, etc. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est aussi sourire au bord des gens, au bord de la route. Les gens sont complètement fous de la caravane. Et c'est vrai qu'on retient, on a souvent le poil qui s'hérisse quand même quand on voit énormément de monde au bord des routes. T'en as un mot à dire au public là qui vont vous voir aujourd'hui hein? Bah, suivez-nous et suivez-nous avec le sourire. Nous en tout cas on va faire tout pour que vous passiez un super moment.